ce qu'on appelle un éco-café, donc c'est quelque chose qui est originaire à la base du Japon, importé ici en essayant de garder la tradition finalement japonaise et donc asiatique de la chose, qui est non pas de faire simplement un café avec où tu vas rajouter des chats, ça va être un endroit où tu vas venir en fait t'imbiber d'une certaine ambiance, d'une ambiance zen, de quelque chose d'extrêmement calme dans lequel tu vas venir te ressourcer. Ça, c'est la base même du Shambles Café. Donc maintenant, à l'intérieur de ce café, on a mis, on a 18 chats avec des races différentes, des âges différents, ce qui permet à chacun finalement, alors à la fois de trouver un partenaire de jeu, parce que quand on vient ici, on invite aux gens à avoir une interaction avec les chats, avec un certain nombre quand même de règles, parce que comme ce sont des êtres vivants, il faut faire attention à ne pas les réveiller. Donc les enfants sont priés de garder un certain calme. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas forcément habilité à... C'est-à-dire qu'on interdit l'accès au moins de 6 ans pour éviter tout ce qui est tirage de queue, etc. Parce que les enfants sont parfois un petit peu turbulents. Et ça, c'est un petit peu ce qui pourrait embêter. Parce qu'on est vraiment très à l'écoute du bien-être de nos chats. Très à l'aise. Mmh, il est goûtu le chat. Je pouvais pas te faire un jeu de mots avec un chat dedans. C'est chalicieux. Globalement, ce que les gens vont venir chercher, ça va être cette interaction, ce moment de relaxation avec les gens. En plein Paris. Alors on pourrait dire oui, mais on peut avoir des chats. C'est vrai que tout le monde, techniquement, peut avoir un chat chez lui, mais vraiment ici, il y a quelque chose qui se dégage. Se blottir ici avec un petit chocolat chaud quand il fait moins 10 degrés dehors, avec les petits chats à côté, il y a un petit côté cocooning qui est quand même pas désagréable. C'est vraiment l'esprit de ce café, c'est que on est tous là pour interagir les uns avec les autres, mais autour du chat, et donc on a cette espèce de... Ouais, c'est un état d'esprit, le chat malheureux. Tu vois, regarde, on en aura un comme ça à la maison. Regarde-le. Dis-lui non. Cette fameuse expression s'appelle le lâcher prise, quoi. Venez, lâcher prise. Vous allez voir, c'est une expérience.